Hey, je pensais à ça tantôt. Tu sais, là, les noix du Brésil, tu sais, au Brésil, ils ont des noix, mais qu'est-ce que le Canada a? Les noix du Canada? Il n'y a pas de noix du Canada. Non, notre bois, on n'est pas capable de le manger, nous autres, comme on dirait que c'est comme. Le sirop. Non, mais je veux dire, on le dit sirop, pas. C'est notre noix. Ah, ça, c'est le sirop du Canada. Tu sais, comme, il nous faudrait quelque chose. Ben, c'est un peu ça. Mais je comprends que ce que tu veux dire, c'est que c'est pas vraiment une ex. Mais écoute, c'est peut-être une expression quelque part. Là. Peut-être que quelque part dans le monde, ils disent le sirop du Canada. Au Brésil, ils doivent pas dire les noix du Brésil, ils appellent ça les noix. Ça, c'est les noix. Ben oui! Ben ah, oui. On prend-tu une noix du Brésil? Hey, en Espagne, ils n'appellent pas leur musique la musique du monde. La musique espagnole. Ouais. Genre, c'est juste du monde qui joue de la guitare, le Chris. Ça. Ça, c'est nous autres, ça, qui ah, fait okay, ça. Okay, okay. Tu penses qu'au Brésil, ils disent pas noix du Brésil? Je sais pas. Brazil nuts? Au Brésil, ces noix sont communément appelées castanilla do Pará. Castanha do Pará ou castanha do Brasil. Ce qui se traduit par châtaigne du Pará. Le Pará est une région immense comprise entre l'Amazonie et l'océan Atlantique. Je sais pas qu'ils disent pas, mais je sais pas. Brazil nuts? Ben ça se peut. Ça, ça mais se tu voudrais qu'on ait une appellation du Québec ou du Canada, mettons. Moi, quelque chose du Québec. Le lait du Québec. Non, mais pas ça, mais qu'est-ce qui pourrait être du Québec? Ben pourquoi le lait, ça marche pas? Il y en a mais c'est parce qu'il y en a d'autres places, puis comme c'est pas particulier. Ben, faudrait avoir comme une appellation un peu comme tu sais le champagne ou. Ouais, qu'est-ce qu'on a ici qu'ils n'ont pas ailleurs? Le go. Il y en a du Québec. Oh! Le logo du Québec. On a le logo du Québec. Ouais. Le logo du Québec n'a pas l'air de sentir bon et il ressemble à Shrek. Il ne sert strictement à rien. Ouais, ouais. Ça, on a rien dit. Finalement là. Waouh. On a rien finalement. C'est un meeting créatif là, c'est pas bien passé. Ben non. C'est pas tout. Hey, c'est juste ma quatrième bière, la gang, ça s'en vient. Tout est cool. Non, mais c'est correct là, on continue. De toute façon, c'est un brainstorm. Là, c'est un brainstorm, je vais finir par faire une petite sieste dans tout. T'es alcooliste. Wow. Ben oui. T'as pas le droit de rire des alcoolos, ben. Ouais, hey. Nous autres, on boit, c'est pas de notre faute. Sous-liste. C'est parce qu'il y a de la bière. Bon. Mais non, vous êtes plus feeling, je suis feelingiste. Ouais, t'es feelingiste. Je suis correct, là. Regarde, tout a fumé des battes, arrête, là. Ouais, j'ai fumé une petite puff. Bon, mais là, moi, j'ai pas fumé de puff. Mais non, t'as donné tout ton pote. Ben oui, c'est ça. Wow! Oh! D'ailleurs, je pourrais-tu le ravoir? Je sais qu'un cadeau donné, c'est un cadeau donné, mais bon.